Re-coucou mes loulous, je suis habillée pareil, c'est normal, j'ai filmé les deux vidéos. À la suite. Donc, voilà. Nous en étions arrêtés à notre première page. J'ai juste rajouté de la dentelle bleu clair qui rappelle ce petit de la toile de jute. Le fameux rouleau que je vous ai montré dans l'autre vidéo que ma poulette m'avait envoyé, un petit bouton bleu foncé, mon washi bleu foncé, le petit là, et un bout là pour faire un rappel, mon petit livret qu'on a fait ensemble, la petite carte. C'est mieux si je prends dans le sens pour la sortir, qu'on a fait ensemble aussi. J'ai juste rajouté un petit œillet avec la toile de jute et fait un rappel de dentelle bleue. Donc, soit on peut mettre des photos, soit on fait du journaling, l'un ou l'autre. Et voilà. À l'intérieur, j'ai juste rajouté du washi, du petit ruban bleu, un petit peu de toile de jute. Là, j'ai fait comme un petit nœud avec de la corde. De la dentelle bleue, un petit peu de washi ici. J'ai mis un tag. Donc ici, j'ai remis de la corde un peu, vous savez, comme les pirates, ils utilisaient. Il faut que j'arrive à faire des nœuds de corde. Que j'ai mis derrière. On peut soit mettre une photo, soit du journaling. Ici j'ai mis pirate, j'ai fait des bulles vertes, des bulles vertes. J'ai mis un petit die cut pirate avec rhum dessus et un petit peu de toile de jute que l'on glisse dans notre pochette. Et ici j'ai mis un grand tag avec un papier un peu carte et puis derrière carte comme ça. Donc là, soit on fait du journaling ou on met une photo, c'est l'un ou l'autre. On met des petites photos de chaque côté. Je me suis juste avancée à faire mes bulles, c'est tout. Et puis on va passer à cette page-là. Où est-ce que j'ai mis mes petites... très bonne question. Très bonne question. J'ai tout rangé, mais j'ai tout déplacé surtout. Oh, pas bien. Voilà, mes petites notes. Je suis à vous tout de suite. Me revoilà. Alors ici, on va faire une pochette un peu style comme ceci, effet déchiré. Et on va mettre une enveloppe. Moi, en décoration, il faut que je regarde parce que j'ai envie de faire un truc sur l'enveloppe. Ça, je le ferai hors caméra. Et on mettra un petit carnet à l'intérieur. De l'autre côté, on fera autre chose. Tout simplement. Voilà. Alors, on va choisir notre papier. Ben oui. Alors, comme je veux mettre je prendrai bien ça en papier. Parce que comme je veux mettre une enveloppe, je veux pas non plus que le papier soit gauché. Voyez-vous. Alors, j'ai un truc pour découper. Je vais tester avec. On va voir ce que ça donne. Vous savez, j'ai ces peut-être même si je mettais la même mesure. Voir un peu si ça rend à peu près bien.
se déchire pas assez. Non, ça déchire pas assez pour moi. Non. On va le faire à la main. Hein. On va le faire à la main. Baby. Parce que ça déchire, oui, mais pas assez à mon goût. Enfin, je vais pas déchirer. Il veut pas. Je vois jusqu'où. Je déchire à peu près. Voilà. Si je veux, j'ai pas trop. Là, j'en déchire un peu. Je trouve que c'est pas. Ça fait pas. Ça fait pas. Et voilà. Donc là. Voilà, j'ai plus qu'à encre. Mon bleu. Mon bleu, 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 bleu. Bleu, bleu, bleu. En fait, ce qui finit le tout, c'est la déco. C'est tout à fait ça. Ce qui finit le tout, c'est la déco, quoi. Comme là, je veux... Alors, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je fais la pochette qui s'ouvre comme ça? On va réfléchir. On va réfléchir. J'espère que vous avez aimé le projet. Alors, j'ai retrouvé... J'ai cherché... Et je trouvais pas de qui je me suis inspirée pour l'effet papier déchiré. C'est le fait main de Valou. Voilà. Je réfléchissais. Donc, elle a une chaîne sur YouTube, elle a fait un album un peu junk, mais différent de ce qu'on va faire. Alors là, par contre, moi, je veux faire, voilà, voilà. Hop. Que, voilà, j'ai décidé que la pochette se ferait dans ce sens-là. Et voilà. Doubidoua. Doubidoum. Donc, bien sûr, on colle que... C'est tout. On n'en met pas en haut. Et je colle. Est-ce que tu sais quand elle marque un jour?
pochette. Je vais avoir les doigts, je vois. J'avais le chiffon à l'instant parce que j'ai fait entre deux. Et puis là, je me retrouve que j'ai plus le chiffon. Qu'est-ce que je vous ai fait? Il est derrière moi. Il est derrière moi. Voilà, pour bien aplatir. Donc, on a notre première pochette. Par contre, moi, je vais voilà, mettre une petite pointe. Je colle sur mes petits rabats ici. C'est juste histoire de dire que... Oups. Voilà. On va attendre qu'elle sèche et on va faire notre enveloppe. Alors, l'enveloppe. J'ai pas de punch burn pour faire des enveloppes. Non, je n'en ai pas. Alors, on va essayer de la faire nous-mêmes. Si j'ai un rectangle de combien là de, je vais faire 20. On va essayer de faire 20 sur 20. C'est quoi la grandeur de l'enveloppe que ça va me donner. J'ai pas l'appareil pour faire les... L'enveloppe. Non, j'en ai pas. Il y en avait à Action et puis ben, je ne les ai jamais trouvés. Donc, voilà. 20 sur 20. Faut que je note. Le centre, c'est mieux. Si je ne fais pas dans le bon sens, hein, alors le centre là, 10. Et... On va essayer de faire quelque chose de bien droit. Hein. Tant qu'à faire. Donc là j'ai bien hop. Et dans l'autre sens je marque le milieu en fait de mon papier. Je fais vraiment des tout petits traits. Et voilà. Donc là, j'ai le milieu de mon enveloppe. Je vais appuyer. Je fais deux plis. Là, j'essaye de prendre un petit centimètre à peu près un petit centimètre. Hop, je replie et là, par contre, je prends. Je suis à 3 cm. Peut-être un petit peu trop. Je vais peut-être relever un tout petit peu. Je vais vous dire après. C'est vraiment fait. Voilà. Je dois être à 2,5. Ah, pile poil. 2,5. Donc voilà, mon enveloppe est faite. Sauf que moi, je ne vais pas la fermer. Non. Gomme. Je vais pas la fermer. Je vais pas coller en fait mes. Il y a que là. Là, je vais couper
ici. Ça fait quand même quelque chose de propre. J'espère que vous avez bien. Je ne suis pas la reine de l'enveloppe, on vous le dit tout de suite. Ici. Ici, celle du Sky. C'est mon fort. Hop. Voilà. Le tout petit bout là. Le tout petit triangle qui s'est formé quand j'ai plié. C'est pareil. Je fais comme le grand haut. Je coupe. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, donc j'ai deux rabats ici, j'ai un rabat pour le bas et j'ai le haut de mon enveloppe. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite marque ici, ici. Et je vais faire une fente de... 3 à peu près 3 pour pouvoir rentrer en fait le bout de mon enveloppe pour pouvoir la fermer. Si ça, ça veut bien. Vous voyez, hop, et j'ai plus qu'à glisser le bout de mon enveloppe ici. Mais là, je mettrai une petite décoration qui cachera ça. Je vais essayer, je vous promets pas. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'en sais rien. C'est essayer. Alors, par contre, c'est bien gentil, j'ai fait une grande enveloppe. Ouais, on va pas bien ça. Elle est grande. Elle est grande. Oui. Bon, on va faire une plus petite. Et celle-ci, on s'en servira pour autre chose. C'est vrai que j'aurais dû y penser. Il faut que je fasse une enveloppe de 10. De 10, de 10, de 10. Et là, quand je prends un papier de 20, ça me donne une enveloppe de 14 sur... 11. Euh, 14 sur 11. Ben, on va changer de papier. Hop, j'ai ça que je vais mettre de côté. Alors, prends papier. Ah, quand on a les mesures, c'est pratique. Donc là, j'ai fait 20 sur 20. C'est évident, hein. On va essayer de prendre un papier de 15 sur 15. On va voir. Les chutes, bien sûr, je ne les perds pas. Mais non. Ou alors, je vais plus vite, je fais ça. Je marque juste pour aller plus vite. Hop, là. Et comme ça, je marque. Mais bon. En fait. Le problème, c'est que le papier est plein de plis. Donc, c'est pas évident. Donc là. J'entrerai. Et là, j'entrerai. Bon, j'ai mon milieu. Donc, hop.
je plie. Je plie. Donc, je mets les deux pointes bien au milieu. Ce que je vais faire, je remonte un tout petit peu ici de 0,5 mm et je vais mesurer. Eh bien, écoutez, ça nous fait une enveloppe de 10,5. Et là, pour fermer, zoup, padaboum, j'ai à peu près 1 cm. À peu près. Sur 8,5. C'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Et là, je fais mon petit trait, je fais ma petite fente. Il descend droit quand même, notre petite fente. Là, j'ai 2,5, donc là, il me faut 2,5 aussi. Donc, c'est ici. Et voilà. Et voilà, j'ai ma petite fente, j'ai ma petite enveloppe, je coupe mes petits bouts qui me servent à rien, qui me font une surépaisseur, hop. Je coupe la même chose de chaque côté. Si elle veut bien. Oui, donc je vous disais, alors je vous en parle pas plus pour l'instant parce que je ne sais pas si ça va marcher. Il faut que je teste. Je ne suis pas vraiment sûre. Donc on verra bien. Si ça marche, je vous expliquerai. Si ça marche pas, ben je vous explique pas. Bon, c'est logique. Et voilà. Zoup. Et là, j'ai mon enveloppe. Zoup. Et voilà. J'ai une petite enveloppe, hein, qui est peut-être pas parfaite, mais j'ai une enveloppe. C'est sûr qu'elle n'est pas parfaite, mais j'ai une enveloppe qui ferme et je peux mettre des petites choses à l'intérieur. Bon, par contre, ce serait bien que... Puis, ben, celle-ci, je vais la garder. Touche gomme, ma petite... Alors, nous allons... c'est lequel que j'avais pris faire, là. Je vais entrer les beurres de mon enveloppe. Et je vais essayer de faire un effet un peu, oui, un peu vieilli. Ça, c'est à l'intérieur, donc vous voyez un peu. Comme si qu'elle avait passé du temps dans l'eau. Oui. Hop là. Reviens à toi. Voilà, avec les plis, en fait, ça fait un joli effet. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Doup. On a notre enveloppe. Que je referme. Ça tiendra mieux quand il y aura, si j'y arrive, ma petite chose par-dessus. Et on va positionner notre petite enveloppe. Ben, moi, je vais la caler ici. Et on va faire un petit carnet qui va se glisser ici. Donc, on colle le derrière de notre enveloppe. Sur, j'ai failli faire la bêtise,
trois côtés. J'ai failli faire la bêtise. Ah, ça aurait été affreux. Franchement. Et voilà, je colle. C'est pour ça que je voulais pas mettre un papier, un beau papier comme ça. Ça aurait été gâché. Parce que, voilà quoi. Donc, là, j'ouvre. Hein, parce que, hop, je vais bien appuyer ici. Là, on pourra mettre des petites choses à l'intérieur. Et là, on va se faire notre petit carnet. Alors, on va faire un petit carnet de... carnet de 8, parce que l'enveloppe fait 10,5 de 8 sur 9 de haut, ça suffit largement. C'est un petit carnet supplémentaire pour noter des petites choses. Zoup. Alors j'ai des feuilles que j'avais découpées d'un autre projet. Et bien, on va en prendre. Alors, on a dit 8 sur 9. Donc, 8. Et je vais tester avant. Allez, on ne va pas couper 36 000 feuilles ici. Ça rentre nickel. Je veux que sur 9. Allez, on va mettre 9,5. 9,5, ça je les garde. Là, j'ai coupé. Non, ça c'est trop petit. Sur 9,5. Mais ça, par contre, je vais le garder. Voilà. Donc, ça me fait un petit. Ça me paraît pas très long, par contre. J'ai envie de me dire que. Non, c'est bon. Non, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors, c'est selon... alors, moi, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles. C'est vraiment qu'un petit carnet que je veux faire. Donc, ça me suffit largement. Je ne veux pas mettre trop d'épaisseur. Par contre, je vais prendre un petit bout de mes petites chutes. J'ai bien une petite chute. Oui, j'ai une petite chute là. Regardez-moi ça. Une petite chute pour faire. Chercher mon agrafeuse. Et voilà. Bah oui, c'est un junk. On peut mettre des agrafes. Donc j'agrafe déjà au milieu mes feuilles. Je vous ai fait tomber. Désolé mes loulous. Oh, la chute fut brutale. Très brutale. Je suis désolée. La chute fut brutale. Hein. Ouh. Je sais pas comment cela se fait, mais tout s'est cassé la goule. Atroce. Atroce, 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 atroce. Où j'ai ce petit papier là. Ouais, bah, je pense que je vais mettre celui-là. Franchement, ce fut brutal.
grave. Je vais plier en deux le petit bout de papier. Je coupe ici, je vais coller, je vais ancrer, peut-être. Ça m'a fait peur, hein, je vous le dis moi, ça m'a franchement foutu les jetons. C'était vraiment brutal la chute. Ce fut... Mais vraiment, ça a été. Je colle à peu près à la moitié. Je dis bien à la moitié de mon petit. Et je mets un point de colle là. Ça déborde. Là. Je mets de la colle, mais là par contre, alors, je vais soulever la agrafeuse. Je vais quand même rajouter deux agrafes. Et voilà, boum. Et on a un petit carnet. Voilà, un tout petit carnet, tout mignonnet, tout. Voilà, un petit carnet, tout simple, tout bête, tout mignon. Pour écrire plein de petites choses dedans. Et voilà. Un petit carnet. Ah, je suis désolée hein, pour la chute. Je suis vraiment... Je recadre. Ah, je suis vraiment désolée. La chute, elle a été... Donc là, on a notre troisième page. Je suis en train de me dire que la première vidéo déjà était longue. Donc on va peut-être s'arrêter ici, c'est très long les vidéos, très 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 long. On va peut-être s'arrêter, je vais juste faire peut-être une avec vous un grand tag ici. Moi je décorerai ma pochette là. Je vais faire un grand tag de 16 sur, je vais m'arrêter là, sur 11,5, même s'il dépasse un tout petit peu, ça ne me dérange pas. Alors, 16 sur 11,5. Une image. 16 sur 11,5. Ça, c'est ce qu'il va aller dans le livret, ça aussi. Ça, on va s'en servir. J'ai quoi hein? Ça, c'est les papiers déchirés. Il faut que je choisisse parmi ceux-là. Ça, c'est pour faire les petits. Alors, ça. Ça, c'est ce qui va aller dans le livret. Ok, ça, et ben ça va être un saut là, et ben regardez-moi ça, 16 sur 11,5, vie, oh, tout tombe, c'est une catastrophe, tout tombe. Tout tombe. Alors, est-ce que je peux...
comme ça. Non, j'ai 13. Dommage. Dommage, dommage, dommage. 13. Je peux couper un peu. Ça me va. Et on a dit 16. Il y a un petit peu de trop. Devant ou dessous, ouais, c'est bon, je peux. 16. Alors, ben, ça le fait. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. Un peu comme si c'était du vieilli de chez vieilli, comme j'ai fait pour les autres. Vous savez, comme si que ça allait baver. Il n'y a que quand je fais les tranches que ça bave moins. J'en ai plein les dos, je vous raconte pas. Et à l'intérieur, je mettrai du papier. Je vous laisserai peut-être. C'est mon chien qui se secoue, il se prend le buffet. Normal. Tout à fait normal. Je vais peut-être laisser comme ça pour si la personne veut mettre des photos. Je vais juste. Voilà. Ben, on installe. Notre livret juste ici. Je vais le mettre dans l'autre sens, mais je vais essayer de mettre un petit quelque chose pour montrer qu'il faut tirer. Non, voilà, non, pas ça, parce que ça non, voilà. Où est le boubou? Il est là. Je vais mettre un petit bout ici. Alors ça c'est vachement bien, alors, c'est très décoratif, c'est très joli, c'est, j'ai fait deux cartes avec, ça, franchement ça ressortait nickel, mais le problème c'est que ça se décolore, oui, ça, avec la colle, si on insiste un peu, ça se décolore. Alors ça c'est un problème quand même. Alors c'est un petit peu plastifié en plus. Donc vous imaginez bien que tout de suite. Voilà. Moi je vais couper là. J'ai besoin que de ce petit bout là. Je vais attendre qu'il colle bien. Comme ça, si j'ouvre, ben en fait ça ne me gêne pas. J'ai quand même mon petit bout. Voilà. Un bout. J'ai oublié de couper un bout ici. Voilà, là, ça ne me dérange pas, ça ne me gêne pas, mais j'ai le petit chose pour pouvoir tirer et voir qu'on a un petit quelque chose dedans. Bon, moi je vais décorer dans mon coin, donc je vais décorer, mettre des petites choses par-ci, par-là, des. Et puis, bah, on va essayer de faire des vidéos un peu plus courtes parce que c'est vrai que c'est un peu long.
On a fait deux, là ça fait notre troisième. Après, on n'a pas fait grand chose. Hein. Franchement, on n'a pas fait grand chose, mais en vidéo c'est plus long. C'est atroce. Et on fera la prochaine ensemble. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse me mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous, bisous.